You made it. Good. I saved you again, Davey. Again. So what are you gonna do for me about Haynes, the rest of the FIB, the IAA, and everyone else, huh? History's written by the living, okay? We can pin most of it on Agent Sanchez. I get that story right and the agency and Bureau will back off. The problem we need to deal with is Trevor. Trevor? Why? Try Merriweather. Chinese gangsters, general insanity, and so on. I can spin Steve that you're controllable, but not Trevor. Steve. He's our wounded hero right now. I gotta cozy up to him, calm him down. Just get me out. Oula, ça chauffe là. Donc salut les gens, on se retrouve ici pour la suite des missions de GTA V. Et puis vous voyez que ça chauffe beaucoup là. Donc du coup, je pense qu'on se rapproche vers la fin. Malheureusement, parce que à nouveau, ça m'a bien plu. Enfin, ça me plaît toujours. ce let's play. Il faut dire que c'est la deuxième fois, mais c'était toujours aussi beau. Et puis, je pense qu'on a quand même quelques trucs à faire encore. Surtout, bah, le dernier braquage à faire. Ça, on n'y est pas encore. Mais d'abord, déjà, on va aller voir ici. Donc, il y a Jimmy déjà qui nous a écrit quelque chose. Papa, j'ai trouvé quelqu'un pour m'emmener à Ponceau Boy. Bon, enfin, Ponceau Bis. J'y serai bientôt. T'as intérêt à trouver un super costard. Ça marche. Ok, donc on va trouver un super costard. Allez, c'est parti. Donc, un super costard du genre quoi. Bon, disons, on est déjà. Le smoking, il est pas mal. Mais disons. Allez, on va prendre un truc. Allez, sable, comme ça. Allez, c'est pas mal, je trouve. Bon, c'est pas très, très classique, mais bon. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Il nous faudrait encore peut-être des chaussures. Truc dans le genre. Ou est-ce que. Non, on a encore des chaussures en fait. Ouais, on a des chaussures qui vont avec. Et pourquoi ça nous met toujours le point là-bas? On a déjà un costume, des vestes il y a ici. Ici il y a quoi? Des chemises. Oui, bah écoutez. On n'a pas besoin de chemises ici. Those are selling like hotcakes. Bon, la chemise on l'a choisie. Hein. On est obligé de mettre. Ah oui, d'accord. D'accord. On était obligé de prendre le smoking en fait. Merde. Du coup, ouais, bon. Ça c'est pas grave parce qu'en toute façon, on aura besoin de beauté. Oh putain, ouais, carrément en limousine quoi. Le mec qui se fait pas chier. Le mec qui se fait carrément pas chier. Allez, on rentre. Ouais, c'est très classe, je trouve. Aussi. Open that champagne, Jimbo. Woohoo! Me and the big dog getting our drink on. Ah, les gars, ils se font carrément pas chier là. Woo! My dad's a movie producer. C'est énorme. Jimmy, get back down here. Which makes me a movie producer's kid. Jimmy, I'm gonna ride out the next two recessions without ever having to work, and I'm gonna get a sports car and a drug habit before appearing on Reality Rehab Show, and then I'm gonna sell my story and become really judgmental. And I'm gonna use all the contacts I make in treatment programs to become a producer too. And I'm gonna make even shittier movies than my dad does. Cause I don't care about movies like him. For me, it's just an opportunity thing. Putain, y'a tout le champagne qui se met partout là. You see the Striz Edge losers? Jizzle in the movie bizzle. Hear that, Vinewood? You hear that, Vinewood? Hey, I hear it and I don't like it. We're going to the Oriental Theater on Vinewood Boulevard! Get back down here! And not to, like, gawk at celebrities from behind a barrier. We're actually, like, properly invited! V to the I to the P! Jimmy! Read my neck rolls! Entitled! E-N-T... titled! Cause I am! Jimmy! Oh, Pop, chill! I'm done spraying this shizzle! Let's take a drink. Hey. Jimmy, yeah. Shut up a second. Hey, Devin, look. I need to say about Molly, man. I'm sorry, but I didn't do it.
I told you to slow it down, Slick. It was an accident. I was there, but I had nothing to do with it. Sure, yeah, hey. You made a fool out of me, Michael, and that is something I'm not gonna forget. Look, Devin, I said I'm sorry. I feel bad for you, but you don't threaten me, because this movie's happening, all right? So let's just calm down and try to be friends again. Oh, absolutely, Slick. Forgive and forget. Namaste. Il vient de dire namaste. Sérieux? Il y a un feu d'artifice là ou c'est quoi ces bruits? Bon là il y a des paparazzi là. Allez les gars, on va faire le mode star là. Qu'est-ce que tu me touches toi? Attends, le mec il me touche là. Allez sur le tapis rouge. Salut les filles, ça va? Tout va bien? Oh putain, lui de nouveau. Some big stars, some beautiful dresses. We're gonna see some side boot tonight. Come on. We did it, Solomon. We fucking did it. Fucking A. Fuck you, Fate. I may be a lecherous old has-been, but I'm a has-been with a premiere at the Oriental Theater on Vinewood Boulevard. I'll see you in there, kid. Hey, thanks. Enjoy the picture, everyone. Mr. Richards. Mr. Richards, hi. If I could just bother you for a second. I'm Laszlo from Fame or Shame. Laszlo, on le connaît bien. Il voulait déjà se faire la fille de Michael. Project that would be perfect for you. Oh, that's fantastic. It's called The Closet. Really modern stuff. Pervert. Come on. No. C'est lui qui dit ça, pervers. I never had surgery. Come on. Milton, hi. Sorry to bother you. Quick question. Get in here tight. Loved the movie. Oh, thank you so much. I appreciate it. When you were that polar bear and you had to eat your baby, I mean, that okay. Was... Okay. All right, Jesus Christ. That was emotional. Can I just have a hug? That really affected me. All right, I gotta go. Thank you so much. Excuse me. Come on, let's get in there. Ah, Laszlo. Oh, shit. Come on, shit, dick. Mec, il a peur. Where the hell is she? Looks like she stood you up. Hey, hope I'm not too late. I wouldn't miss this for the world. Devin. The fuck are you doing here? Hey, what a movie, huh? Meltdown. Congratulations, Mikey. We did it. Hey, let's get a picture, huh? You, me, the proud producer. Such a pleasure working with you. You see, I was here. Unlike your wife. Seems to be stuck at home. You twisted fuck! You're a dead man! Let's go, Jim. Come on! T'es sérieux, là? Attendez, on va... Ouh, alors ça, par contre... Ça, les gars, s'ils nous mettent une belle voiture comme ça devant nous, c'est une invitation, ça. Waouh, ok, on y va. Putain, mais mec, lui, il fait chier à chaque fois. Il m'a écrit un SMS, en plus. T'as 2 minutes pour te sacrifier et sauver ta famille. Tête de nœud. Ok, fils de pute. Je sais pas pourquoi j'ai lu en plus ce message inutile. Allez, on n'a pas le temps à perdre là, on y va, on bouge. Oh là là, mais sans partir en live comme ça, il faut pas absolument pas. Et puis surtout pas avec une voiture comme ça. Putain, elle est super belle quand même. Celle-là, ça serait bien de la garer chez nous, si on peut. Mais d'abord... Oh putain, c'est quoi ces gars? Jimmy, you keep yourself concealed. I'll go get the girls. You gotta save. Je suppose qu'on a besoin d'une arme. Fils de pute. Il y en a d'autres encore là? Monsieur. Non, putain, j'ai tué ma fille. Le mec il rentre, il tue sa fille. Le mec avec son respect quoi. Bon, ça c'est à refaire. Ok, attendez. Alors, on va prendre un pistolet. Il y a absolument pas de souci. Mais dégage! C'est dégueu. Ok, là ça va chier.
Keep your heads down. Be safe, baby. Don't you worry about me. Oh, c'est mignon. C'est trop mignon. Allez. C'est les armes de Mary Walter en plus. Grenade, non. Non, non, non. Oh putain, mais pas dans ma maison, mais... Putain, mais mec. C'est ma maison ici, et puis vous lancez pas des grenades. Mais attends, on est où là? On est pas en guerre ici. Putain, mais ils viennent avec une armée là, ou comment ça se présente? Allez, toi, ça prendra. Il y a encore des mondes là, ou... Monsieur, vous sortez immédiatement de mon terrain. Voilà, c'est pareil. Alors, il y a... J'allais dire, y a-t-il quelqu'un? Mais oui, effectivement, il y a encore du monde. Putain, mais vous êtes combien, là? Les gars, ils viennent avec des bus, quoi, limite. Voulez-vous la guerre? Il faut directement accéder à la maison de Michael, et puis vous y êtes. Allez, les gars. Attendez, attendez, attendez. J'ai pas un lance-roquette? Non, absolument pas. Mais j'ai une grenade, allez. Tiens, les gars. Mais comment il les lance? Mais mec! Non mais... Ah! Ah le con! Putain mais je les lance carrément sous mes pieds quoi. Vous êtes sérieux? C'est exactement pour ces cas là qu'il faut toujours avoir des gilets pare-balles normalement. Allez sors toi, ta tête toi. Tiens. Alors, allez voir votre famille. Oh oui mon gars. On va aller voir notre famille, par contre on va faire le tour. On dirait limite qu'on fait une fête, il y a tellement de voitures. C'est la fête. Oh l'enfoiré. C'est qui? Ça... Yeah, you like that, don't you, huh? Take it off. Il est sérieux? Le con. Le mec il t-back son père au lieu du mec il a. Putain mais le mec il joue 3 Call of en plus pour avoir l'idée de t-back. Franchement les gars, ça c'est quand vous jouez 3 à Call of, ça donne ça quoi. N'importe quoi, putain. Ok, bon, ça c'est fait. C'est énorme. Oula. Il est vénère, là. I hate to say it, but Meriwether isn't short on excuses to come and kill you, nor is Devin Weston. I ain't looking for perspective, Lester. They came after my family. All right, right. I don't know what to say. Does this change where you stand on the Union Depository? Hell no. We move on that right away. Before it gets any hotter. That's smart. Meet me at the strip joint. I'll get word to Frank and Trevor. Ok, donc le planning a rien changé pour le coup final. Bon, ça c'est fait. Une chose de faite. Et puis maintenant, attendez, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a à faire. Donc là, il y a un H. Et le H, c'est pour le coup du siècle. Ah oui, carrément. Mais pour ça, on va d'abord... aller à l'armurerie, vite fait. Mais je pense pas que c'est vraiment encore le début. Je pense que d'abord, c'est la préparation et tout. Mais je pense pas qu'on va se faire la préparation dans cette vidéo-là. Ça sera une courte vidéo, mais comme dit... de toute façon, cette semaine et je pense la semaine d'après aussi, les vidéos seront un peu moins longues. Enfin, pas vraiment moins longues, mais par contre, il y aura un peu moins de vidéos en tout. Parce que c'est l'examen. Mais comme dit, à la fin, enfin, dans 2 semaines à peu près, quand les examens sont finis, ça va chier, les gars. Ça, je peux vous dire, avec l'ordinateur portable, l'ordinateur fixe en plus et tout, ça va chier. Et puis, pour ça, en plus, je vous invite à aller. Au sondage. Pour ça il faut aller voir la vidéo, la dernière vidéo information
FAQ pour les 100 000, pour les 10 000 abonnés et tout. Ah, on a un appel. Michael, did you find them? Who? The person who sent the mercenaries to our house. I'm working on it. Are we safe? You said we would be safe. He's not gonna try that again. I'm on top of this, Amanda. Trust me. Really? You're sure? I'm positive. Look, I love you, baby. I'm gonna take care of this. Oh, c'est comme c'est mignon comme ils se parlent et tout. Oui, j'allais dire, alors, il faut aller sur la vidéo, information et tout. Et puis là, vous avez deux liens au sondage pour les jeux que vous aimez bien, les séries que vous aimez bien sur la chaîne et tout. Je vous invite à participer, comme ça, bah, vous pouvez vous engager de voir les vidéos que vous voulez voir sur la chaîne, quoi. Tout simplement. Et puis, bah, après, j'ai lancé aussi le FAQ. Ça, vous pouvez me poser aussi des questions sous la vidéo de l'information et tout. Pour une vidéo FAQ que je vais faire pour les 10 000 abonnés. Voilà. I bet you'll be ready to use that the second you get out the door. Ici, ouais, putain, ça me fait chier. J'aimerais bien aussi faire des entraînements de tir aussi, un peu. Mais ça, je sais pas. Je sais pas. Bon, ça, je crois qu'on est bien équipé quand même. Des petites balles comme ça, ça peut jamais gêner personne. Lance-grenade, ça peut être pas mal ça aussi. Mitraillette d'assaut gratuite, pourquoi elle est gratuite ça? Tout ce qui est gratuit, je le prends. Vous êtes sérieux, il y a un marteau? Ça, je le prends. Vous avez un marteau, monsieur, mais alors ça, par contre... Attendez, marteau. Ah, attendez. T'as la chier. Ah, mec. Marteau. Mec. Tracy, qu'est-ce qu'il y a? Daddy, are you okay? Yeah, sure. Why not? Cause some guys came to our house with automatic weapons, maybe? C'est vrai. I'm dealing with that, honey. You don't need to worry. Money doesn't matter when you're dead, Daddy. Putain, on reçoit des appels de tout le monde. Allez les gars, on va réparer tout ça. Putain, mais par contre il y va avec une violence extrême. Regardez-moi ça. Imaginez-vous, vous faites des travaux chez vous comme ça. Allez mon gars, rentre. Putain, mais ça fait carrément des trucs de énormes. Ok, tout va bien. On se calme, on va ranger le marteau. Appeler quelqu'un, non, absolument pas. On va rentrer là-dedans. Bonjour. Ah oui, c'est vrai qu'on peut faire des braquages aussi ici, mais ça, on va éviter de le faire, surtout que maintenant, on n'est même pas déguisé. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Oula! Putain, mais l'armurerie, là, c'était le dernier temps. Pas mal. 8100. Ok, ça marche. On peut rien acheter. Ah si, mais attendez, je crois qu'on peut acheter justement. En fait là je suis limite en train de faire un petit la vie à Los Santos, mais il y a des trucs qui m'intéressent quand même. Déjà on va se prendre un bon coca. Ça peut jamais être trop mauvais. Depuis quand les coca ils sont verts? Mais attends, c'est le scandale ici. Chocolat noir, oui. Écoutez, on va prendre le météorite. Ah, déjà. Ah, bah oui, c'est juste pour la santé, c'est vrai. Ok. On va sortir d'ici. On revient plus tard pour un braquage. Ne vous inquiétez pas. Le mec, il dit ça au mec de la station d'essence, quoi. Bon. Je dirais que on va déjà s'arrêter là. Je sais que la vidéo a été très très courte, mais la prochaine fois ça va être plus long, je pense. Et puis, mais j'espère pas que ça sera déjà la fin, la prochaine vidéo. Parce que si on fait vraiment le coup du siècle dans une vidéo, la prochaine fois ça sera vraiment la dernière fois, et puis ça serait...
très triste. Donc j'espère pas que c'est la fin la prochaine fois déjà. Mais on verra. Mais ça sent la fin quand même, là, tout doucement. Donc, à voir. Ça, le poste UP, ça ressemble carrément à fond au UPS. Le gros fake, quoi. Oui, vous savez déjà qu'il y aura deux vidéos de Drive Club cette semaine et deux vidéos sur GTA. Et ça sera malheureusement aussi les seules vidéos, mais comme dit, ça c'est à cause de mes examens et tout. Donc normalement, si tout va bien... Vendredi, il y aura du Drive Club. Et puis samedi, il y aura du GTA. Et dimanche, de nouveau, du Drive Club. Voilà. Donc sur ce, on se laisse là-dessus. Désolé pour la vidéo un peu courte. Mais je pense que la prochaine vidéo, ça sera plus longue. Voilà. Et puis on se rapproche déjà malheureusement de la fin. Donc je vous souhaite encore une bonne semaine. Et puis après-demain, on se voit pour la suite de Drive Club. Et puis n'oubliez pas, samedi, pour la suite de GTA. Et comme dit, n'oubliez pas aussi les sondages et la vidéo FAQ. Donc salut les gens et à très bientôt.